Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours de magie, je vais vous apprendre à réaliser des tours avec des objets que vous trouvez chez vous au quotidien. Alors, je commence avec un tour de stylo. Vous vous arrangez pour que quelqu'un vous passe son stylo. Vous tenez son stylo, vous mettez le stylo vers le bas, et là, vous faites passer votre main, et comme par magie, le stylo disparaît. Bien sûr, vous pouvez remonter les manches pour montrer que le stylo n'y est pas. Alors, comment réaliser ce tour? Évidemment, le stylo remonte dans la manche. Mais comment faire pour le faire remonter dans la manche? C'est facile. Il vous faut ce petit accessoire, un tube qui permet d'agripper le stylo solidement, qui est relié à un petit élastique, et l'élastique est relié jusqu'à mon pantalon qui est accroché avec une épingle à nourrice. Donc l'élastique passe dans mon dos et remonte dans ma manche. Là, lorsque je demande le stylo, je mets le stylo dans le tube. Le tube, je le tiens avec le petit doigt pour que ce soit plus discret. Au moment de faire disparaître le stylo, je tiens le stylo vers le bas. Je passe la main devant le stylo. Au moment où la main passe, je lâche le stylo pour qu'il remonte dans la manche. Donc là, vous faites disparaître le stylo et les gens vont vous dire « Mais c'est facile, il est dans la manche. » Et là, vous pouvez remonter les manches pour montrer que le stylo n'y est pas. Alors évidemment, le stylo reste dans le haut de la manche et vous pouvez continuer à faire vos tours de magie avec ces pages-là. Ça, c'était le tour du stylo. Maintenant, je vais vous faire un tour de foulard. J'ai un petit foulard rouge. Je prends le foulard, je le mets dans la main. Je souffle, et là, le foulard se transforme en œuf. Comment faire ce tour? C'est facile. J'ai un œuf troué. Alors, vous prenez un œuf que vous cassez avec un couteau, en faisant attention de ne pas casser l'œuf entièrement. Vous videz l'œuf et une fois que l'œuf est vidé, je vous conseille fortement de mettre de la colle polyvinique blanche à l'intérieur. C'est ce que je fais et ça rend l'œuf extrêmement solide. Donc vous pouvez le faire tomber, ça ne se cassera pas. Ensuite, une fois que vous avez votre œuf, que vous commencez à faire le tour, vous tenez l'œuf en main droite en le cachant. Vous pouvez montrer le foulard ou montrer le foulard comme ça, mais sans montrer l'œuf. Quand vous mettez le foulard dans la main, vous le mettez dans l'œuf en fait. Et là, le tour est joué. Le foulard est dans l'œuf. Vous avez simplement à faire croire que vous transformez le foulard en œuf. Vous pouvez le faire tourner, mais sans jamais montrer l'arrière de l'œuf. Ça, c'était le foulard changé en œuf. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième tour de foulard. J'ai un foulard que je mets dans la main gauche. Je rentre le foulard, je souffle, et là, le foulard disparaît. Comment faire pour faire disparaître le foulard? Avant de vous expliquer, je vais vous le faire réapparaître. Le foulard réapparaît dans ma bouche. Alors, comment faire? C'est facile aussi. Il vous faut un faux pouce. Un faux pouce, ça se trouve facilement sur des sites d'accessoires de magie. À 3 euros, vous en trouvez. Le mien n'est pas super parce qu'il est en plastique et la couleur ne coïncide pas vraiment. Mais vous en avez maintenant des très bien faits en caoutchouc. Donc, je vous conseille de vous en procurer. Quand vous commencez le tour, vous mettez le pouce à l'endroit prévu à cet effet. Vous présentez le foulard comme ceci, sans montrer le faux pouce. Au moment de mettre le foulard dans la main gauche, vous mettez le pouce en premier, que vous retirez, donc le pouce est dans votre main. Vous rentrez le foulard dans la main, mais en fait, le foulard est directement rentré dans le pouce. Là, vous faites semblant de forcer pour mettre le foulard dans votre main, mais en fait, vous récupérez le pouce. Et là, vous pouvez faire disparaître le foulard et montrer vos mains vides. Alors,
le pouce, je vous conseille de le cacher en mettant votre main à peu près sous cet angle pour pas laisser apparaître le pouce. Et pour le faire réapparaître, vous pouvez mettre le pouce dans la bouche et faire sortir le foulard. Après, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour faire réapparaître le foulard. Ça, c'était le foulard dans le faux pouce. Maintenant, je vais vous faire un petit tour de corde. J'ai trois cordes. Une très longue, une moyenne et une toute petite. Je tiens les cordes dans la main. Je prends la petite corde que je mets en haut, la corde moyenne que je remonte et enfin la grande corde. Là, d'un petit claquement de doigts, je peux donner la même taille à toutes les cordes. Alors, comment faire ce tour qui rend les cordes totalement de la même taille? C'est facile. Vous avez trois cordes. Une petite, une moyenne, une grande. La petite fait à peu près 20 cm. La moyenne, le double, 40. Et enfin, la grande fait à peu près 60 cm. Vous tenez les cordes dans cet ordre. Petite, moyenne, grande, en partant par la gauche. Donc, vous, c'est vu sous cet angle. Là, quand vous prenez la petite corde pour la remonter, vous changez sa place avec la grande corde, comme ça. Tac. Ça fait une petite boucle. Et là, le tour est terminé. Vous pouvez remonter la corde moyenne, remonter la grande corde, et vous prenez les trois cordes de la droite que vous tirez, et toutes les cordes sont de la même taille. Là, vous pouvez montrer que les cordes sont de la même taille, et quand les gens vous diront qu'il y a un truc derrière la main, vous pourrez retourner la main et cacher la boucle avec votre pouce pour montrer la quasi-totalité des cordes. Et là, les gens comprendront pas tout à fait. Vous pouvez leur faire examiner les cordes, vous leur donnez les cordes une par une comme ça. Ils verront qu'il n'y a pas de trucage, que les cordes ne s'étendent pas, et seront bluffés par le tour. Pour faire ce tour, je vous conseille des cordes épaisses. Vous pouvez faire des cordes fines, mais au plus les cordes sont épaisses, au mieux c'est. À peu près comme celle-ci. Voilà, ça c'était le tour de corde. Maintenant, je vais vous faire un tour de gobelet. J'ai trois gobelets et deux balles. Je pose les trois gobelets sur ma table. Je prends une balle que je mets sur le gobelet du milieu, que je recouvre, je tape et la balle redescend. Je répète l'opération. Je prends la deuxième balle que je mets dessus, que je recouvre, je tape et la balle redescend. Là, vous pouvez bien sûr faire examiner les gobelets qui sont vraiment des gobelets métalliques. Et les gens ne comprennent pas comment vous avez fait. Mais moi, je vais vous expliquer. Pour commencer le tour, il faut mettre une balle dans le gobelet du milieu. Personne ne doit savoir qu'une balle se trouve dans le gobelet du milieu. Vous posez les gobelets sur la table. Là, vous avez vos deux balles. Lorsque vous commencez le tour, vous tenez les gobelets vers le haut, à l'endroit. Vous prenez le gobelet du dessous, que vous retournez, que vous posez. Vous prenez le deuxième gobelet que vous prenez, que vous posez, mais attention, il y a une balle dedans. Donc, vous ne faites pas vite comme ça, parce que ça serait trop voyant. Vous faites calmement. La balle n'a pas le temps de tomber, mais vous posez le gobelet tout à fait naturellement. Et le troisième, vous le posez. Par contre, autre chose qu'il faut vérifier, c'est ne pas faire tadadam, le premier gobelet, le deuxième hop là, et le troisième tadadam. Non, il faut poser les trois gobelets sur le même rythme pour ne pas éveiller les soupçons. Donc on pose les gobelets un par un, et voilà. Et sur le gobelet du milieu, il y a déjà la balle en bas.
prenez une balle que vous mettez sur le gobelet du milieu, que vous recouvrez. Là, vous faites passer la balle à travers et elle redescend. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait passer la balle à travers, mais en fait, en posant la balle au-dessus du gobelet, vous l'avez automatiquement mise dans le gobelet du milieu. Donc, on est dans la même configuration qu'au début du tour. Donc là, vous pouvez répéter l'opération, mettre les gobelets vers le haut, poser le premier, le deuxième qui contient la balle, vous le posez au-dessus de la balle déjà mise, déjà la balle qui a déjà traversé le gobelet, et vous posez le troisième. Donc là, on a deux balles. Vous pouvez poser votre balle au-dessus du gobelet, que vous recouvrez, vous tapez, et il y a deux balles. Alors moi, j'ai que trois balles, mais si vous avez quatre balles, vous avez déjà la troisième posée sur le gobelet, vous pouvez continuer l'opération, prendre la balle. Bon, moi, j'ai pas de balle, mais imaginons, je récupère par exemple le foulard. Imaginons que c'est ma troisième balle, je la mets au-dessus, que je recouvre, je la fais passer à travers, et mes trois balles ont traversé le gobelet. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Alors, je vous conseille des balles en mousse. Des balles en mousse, ça se trouve très facilement. Voilà. Et donc, c'était le tour des gobelets magiques. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Et j'espère vous retrouver bientôt sur netprof.fr. Au revoir.